Bonjour, je vais vous parler d'une méthode pédagogique qui va coupler deux techniques, l'école mutuelle d'une part et l'apprentissage à son rythme. Alors l'école mutuelle, qui vient de la Lancaster Bell pédagogie, qui est apparue dans les années 1800, l'objectif c'était que les étudiants apprennent aux autres étudiants par un système de pairs, ou simplement l'étudiant qui est plus avancé va apprendre à un groupe qui est moins avancé. Dans les années 2010, sont apparus tous les MOOC, et ces MOOC, bien souvent, utilisent une méthode d'apprentissage à son rythme qui est appelée Self-Paced Learning in English. Vous voyez que tous les cours, quand vous regardez un petit peu les différentes plateformes, c'est vraiment dans ces années-là que ça apparaît. La méthode CREI que nous appelons, qui signifie coopérons à notre rythme d'apprentissage individualisé, efficace et sympathique, est en fait un couplage entre ces deux méthodes. L'exposé, ici, va partir de la préparation à la maison du travail, l'entrée dans la salle, ce qu'il se passe dans la salle et l'évaluation. Alors, à la maison, les étudiants disposent d'un polycopier complet. Et au sein de ce polycopier, il y a tout le contenu du cours, des liens à la fin de chaque paragraphe, des liens vers des vidéos, des liens vers des exercices, et puis ils reçoivent des instructions de lecture pour la séquence suivante. Ces liens dans le polycopier vers les vidéos sont référencés par des numéros, et lorsque vous recherchez la vidéo numéro 22, eh bien vous pouvez voir apparaître la question. Cet exemple-là, où on a un étudiant qui, à l'aide du polycopier, va poser une question, l'enseignant découvre la question et va tenter d'y répondre devant les étudiants au mieux. Pendant cette phase-là, un étudiant caméraman enregistre le système. À la fin de chaque paragraphe, il y a aussi des brevets. Des brevets sont des petits exercices ciblés sur une difficulté particulière pour lequel le résultat est donné. Pas la démarche, mais le résultat est donné. À l'entrée dans la salle, chaque étudiant rend un petit document sur lequel il va identifier, il va écrire combien, à quelle page il s'est arrêté de lire, combien de vidéos il a regardé, le temps qu'il a travaillé entre deux séquences. Et puis s'il a des éventuelles questions. Voici le comportement des étudiants de Bac plus 2 de l'Université du Mans. Vous avez ici un graphique où ici c'est la première séance, la deuxième séance, etc. La ligne bleue correspond à la demande de lecture. Là, les étudiants devaient lire jusqu'à la page 27. Et quand ils rentrent dans la salle, vous voyez comment les étudiants ont lu. Une grande partie ont lu jusqu'à la page 27 et puis quelques étudiants n'ont pas lu jusqu'à la page 27. Ils reçoivent des consignes pour la séquence suivante, ils doivent lire jusqu'à la page 35, et vous voyez ici l'évolution des étudiants au fur et à mesure de la lecture. On peut constater là-dessus qu'avec cette méthode, jusqu'aux deux tiers des séances, les étudiants sont à peu près dans le rythme demandé, et puis pour les dernières séances, il y a un lâchage qui va être explicable parce que les étudiants doivent passer des évaluations et qu'ils préfèrent plutôt qu'avancer dans le poly, eh bien, passer leur temps de travail sur les évaluations. Pour ce qui est des vidéos, ce cours était un petit peu particulier parce qu'il était nouveau. Donc, on avait beaucoup de vidéos au début et puis ensuite assez peu de vidéos. Voici en jaune les consignes de visualisation de vidéos et voici ce que les étudiants ont visualisé pour la deuxième, etc. Donc, on remarque que les étudiants ne sont pas adeptes des vidéos qui sont proposées. Par contre, au bout d'un certain temps, certains rattrapent, vous voyez ici, certains rattrapent toutes les vidéos qu'ils ont en retard. Parce qu'ils ont besoin de l'information qui est comprise dans les vidéos. Le temps de travail est aussi indiqué à l'entrée dans la salle, le temps de travail entre deux séquences. Vous voyez ici, pour la première séance, que le temps de travail s'échelonne entre 0 et 4 heures, etc., avec même des pointes jusqu'à 15 heures de travail pendant des semaines où entre deux séquences, il y avait des vacances. Si on fait la moyenne de ça, on trouve que finalement, les étudiants entre deux séquences travaillent environ 1,5 heures. C'est un résultat qui est pas mal pour moi, j'estime.
Ensuite, les questions, le nombre de questions est indiqué par le point orange en fonction de chacune des séances. Vous voyez que c'est très fluctuant. En moyenne, il y a 6 questions à chaque séquence. Ces questions sont enregistrées en vidéo, comme je vous en ai montré une. Donc, l'enseignant lit la question, il répond à cette question, et chacune des questions est indexée et ensuite mise au bon endroit dans le polycopier. Après ces séquences de questions-réponses, on passe à une séquence où les étudiants travaillent sur des exercices. Une des particularités, vous allez voir, c'est que les étudiants, pour faire des pôles de travail, se mettent à la même table et ils vont bouger de table en table. Les étudiants experts qui ont déjà réussi vont aider leurs collègues. Et puis l'expert est identifié actuellement par un tour de cou avec un badge. Ici, nous sommes à la fin de la phase de questions-réponses. Les étudiants se lèvent et je vais vous demander d'observer cet étudiant tout au fond en bleu clair qui est en train de travailler dans un groupe sur un exercice. Il vient vérifier ici son résultat. Son résultat est bon, il change de table, il vient se mettre là. Il va revérifier. Ah, son résultat n'est pas bon, il est retourné travailler. Cette fois-ci, le résultat est bon, il se déplace ici. Et vous remarquez maintenant qu'il va aider les autres étudiants pour les faire avancer parce qu'il a déjà fait cet exercice-là, il est le référent de cet exercice. Après avoir aidé les étudiants, il retourne travailler à sa place et va vérifier, c'est correct, il se déplace et va à un autre groupe. La progression des étudiants se fait au fur et à mesure, chacun à son rythme. On a besoin d'une information pour savoir comment les étudiants avancent. On a un système de plaques où le chemin, la trajectoire des exercices à faire est marquée et les points représentent chaque petit plot, représentent les étudiants. À l'Université du Mans, pour le cours 2 ans après le bac, vous voyez ici la répartition et tous les étudiants qui sont au début. Au fur et à mesure des séquences, vous voyez l'avancée des points bleus ici qui représentent les étudiants. Et au fur et à mesure, évidemment, ça se répartit. Pour ce qui est de l'ENSIM, pour un autre cours, vous avez une cartographie des exercices à faire qui est un peu plus complexe, avec des chemins un peu plus compliqués. Ne faites pas attention aux couleurs, le paquet d'étudiants est là, et puis vous le voyez qu'il commence à avancer au sein de l'étude. Les évaluations sont faites aussi progressivement. Vous avez ici chaque compétence ou objectif pédagogique est représenté par une couleur et vous avez un chaînage entre ces couleurs. Les étudiants peuvent faire le blanc, ensuite le jaune, le orange, le vert et quand ils détiennent tous les trois, peuvent tenter la compétence bleue, etc. Vous avez ici le graphique d'évolution entre le début du cours et la fin du cours du nombre de détenteurs de chacune des compétences. Vous pouvez remarquer qu'à peu près à la moitié du cours, les trois quarts des étudiants ont la compétence blanche. On en a un tiers qui a la compétence jaune, un dixième qui a la compétence orange. Et puis vous voyez l'évolution en fonction du déroulé du cours. Et progressivement, à une date donnée, vous voyez que le nombre de détenteurs de chacune des compétences augmente. Évidemment, on souhaiterait, nous, en tant qu'enseignants, qu'ils travaillent régulièrement. Vous remarquez évidemment que dans les 2 dernières semaines, il y a le coup de feu et tout le monde passe des évaluations. Est-ce que cette pédagogie est pas chère parce on atteint les objectifs? Imaginons un groupe de 63 étudiants, c'était le cas l'année dernière, que chaque étudiant a droit à 16 séquences. Imaginons qu'on coupe ce groupe de 63 étudiants en 3 groupes. L'idée pour les faire rentrer dans la méthode est de faire rentrer un tiers de la promotion, ensuite un deuxième tiers décalé de 3 séances, et ensuite pour travailler avec la classe complète, puis ensuite une coda. Cette méthode devrait permettre aux étudiants de rentrer dans le système. Le hasard a fait que cette année, ça n'a pas été possible. Tous les étudiants sont rentrés en même temps dans la séquence. Et il a été très compliqué pour moi, en tant qu'enseignant, de mettre en place ce système de déplacement sur les différents groupes. Et j'ai eu beaucoup de mal à l'obtenir tant que nous n'avons pas été confinés et que ça s'est fait ensuite sur le web sans aucune difficulté. Si on utilise cette méthode, finalement, vous avez 22 séquences à faire.
Si on travaillait en parallèle avec le premier groupe, le deuxième groupe, le troisième groupe, 16 séquences chacun, ça ferait 48 séquences. Donc on a un temps de travail qui est réduit, et en plus, quand les étudiants du deuxième groupe rentrent, ils ont déjà les étudiants du premier groupe comme experts pour venir s'appuyer dessus, d'où le principe de l'école mutuelle. Je vais pouvoir vous répondre maintenant à vos questions. Vous avez à gauche les avis des étudiants à la suite de ce cours sous la forme d'un nuage de mots. Plus le mot est écrit en gros, plus il est apparu dans les réponses des étudiants. C'est à vous, je vous écoute.